Good morgen, allez, Yiden, les sutures aujourd'hui, les lunishma de Vamchenor, Berman, Fortune, Mazam, Nachman, Yosef, Ben Nachomi, Dida, Batessa, Yakov, Nissim, Nachana, Marklouf, Mira, Ben Masuda, si vous êtes aussi l'idée d'une prochaine étude de Mishnah, comptez les 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui, Maserhet, Meila, Perek, Aleph, Mishnah, Aleph, avant de lire et traduire, on va d'abord faire une petite introduction très générale. Meila, ça parle de quoi? Meila, faire une Meila, c'est faire un sacrilège, c'est-à-dire quelque chose qui est sacré, en tirer profit, profane. Par exemple, un objet qui appartient au Beth Amikdash, un korban qui est prédestiné à en être un korban pour Hachem, et puis j'en tire profit pour moi-même. Je me trompe par erreur, en faisant exprès, si je suis exprès c'est un chiouf karet, si je me trompe, j'aurai quand même un devoir de rembourser le profit que j'ai eu en rajoutant la valeur d'un cinquième, et je devrai ensuite apporter un korban Hacham Meilot, une expiation, un korban Hacham et pas un korban Khatat, une sorte de korbanot qui expie, qui expie les fautes, soit Hacham, soit Khatat. Là, en l'occurrence, c'est un korban Hacham. D'accord? Maintenant, dans Maserhet Meila, on va s'intéresser à définir exactement quel type de kodesh, quel type d'objet saint, si j'en tire profit, je suis Khayav, ou non. On va apprendre justement, en l'occurrence, la première Mishnah va directement nous lancer dans le feu de l'action, en nous faisant découvrir des situations que oui ou que non, que je ne serai pas chayav. C'est-à-dire, pas tout ce qui est kadosh me rend chayav d'un chiouv meila. Il y a des définitions bien précises. De manière générale, je vous donne tout de suite un exemple de base sur lequel on va se fonder pour en fait expliquer tout le début de la Mishnah. C'est par exemple, imaginez, j'ai un korban. Donc, tout d'abord, j'ai un korban ola. D'accord? Ola, khatat, hacham, ça revient en même pour le moment. Et ben, si j'en tire profit, si je l'égorge, je le mange. Ou bien même si je l'utilise pour tirer ma charrue, c'était un taureau et je l'utilise, j'en tire profit. Selon le cas, on va me demander que je l'affaiblisse ou que je ne l'affaiblisse pas. Et plusieurs nuances, on aura l'occasion de tout découvrir. Et bien, dès que j'ai tiré profit de une prouta, une valeur de une prouta, je transgresse l'interdit de Meila. Par exemple, si j'ai utilisé le taureau pour le faire tirer ma charrue, et il a déjà commencé à tirer la charrue de manière à ce qu'il m'a fait quelques centimètres ou quelques mètres. De manière que si je voulais louer un taureau pour faire ça, j'aurais dû payer un shekel, une prouta. Donc maintenant, j'ai tiré un profit de une prouta, je devrais rembourser la prouta. Payer un cinquième, qui est en réalité le quart, selon le principe qu'on a déjà expliqué plein de fois, que souvent les calculs de la Torah, ils se passent ce qu'on appelle mille bar, c'est-à-dire tu rajoutes pas un cinquième, tu rajoutes une chose que ensemble au total, ça fera le cinquième. D'accord? Donc, j'aurais ajouté un cinquième et apporté un korban. Ok? Il y a maintenant une exception, par exemple, c'est imaginer qu'il y avait un korban, et que le korban, il est mort de mort naturelle, ou bien qu'on l'a étranglé, sans lui faire la shrita, il n'était pas au Beth Amikdash, il est mort de manière naturelle, quoi. Eh bien, cette fois-ci, il n'y aura plus d'interdit de Meila. Pour quelle raison? Parce que ce korban, puisqu'il est mort de manière naturelle, il n'est plus prédestiné au Beth Amikdash. Il n'a plus rien à faire, il faut l'enterrer. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il était kadosh, qu'il avait une sainteté. Mais si c'est une sainteté qui ne va plus servir à rien du tout, ça ne va plus être une offrande pour Hachem, ça ne va plus être rien du tout, il n'y a plus rien à en tirer de lui. Et bien dans ce cas-là, il n'y aura plus d'interdit de Meila. Il y aura un interdit de Meila midera banane quand même. Ouais, mais il n'y aura plus dans ce cas-là l'interdit de Meila de la Torah où il faudra rajouter le cinquième et apporter le korban. Il faudra quand même rembourser la contre-valeur du profit au Beth Amikdash. Oui, mais voilà, ça c'est pour si l'animal il est mort, égorgé. Selon ce principe, maintenant, on va, donc finalement vous avez bien compris, il y a le cas classique du korban parfait, que je tire profit, que je transgresse l'interdit, mais là de la Torah. À l'opposé, il y a le cas du korban qui a raté sa vocation, il est mort, il est grillé, il n'a plus rien à faire, il est mort de manière naturelle, il ne sera plus un korban, il n'est plus prédestiné à Hachem, il est encore kadosh, c'est-à-dire dans la mesure où j'ai plus le droit, j'ai pas le droit d'en tirer profit, mais je ne transgresserai pas l'interdit de Meïla. Et si toutefois j'en tire quand même profit, il y aura un interdit de Meïla, Midera Banane, que j'aurai quand même remboursé le capital. Et entre ces deux pôles, il y a des cas particuliers, des animaux qui ont été ratés, mal faits, mais tant bien que mal faits, et qui on transgressera en l'occurrence l'interdit de Meïla. Et c'est ça la première série de la Maserhet Meïla. Ça, ouais, ils nous ont entendu ça, la Mishnah, de manière très violente, en entrant directement dans le vif du sujet. Et on commence tout de suite à lire la première partie. Kochega Dashim Shratan Badarom, Moalim Bahen, Shratan Badarom, Vekibel Daman, Batsafon.
בצפון וקיבל דרן בדרום. שחתן ביום וזרק בלילה, בלילה וזרק ביום. או ששחתן חוץ לזמנן וחוץ למקומם, מועלין בהן. J'explique très rapidement. Chaque korban, on a eu l'occasion maintenant de le découvrir longuement, chaque korban, il a des règles. Comment la porter, où lui faire la shrita, à quel moment. Il y a des règles qui sont semblables à tous les korbanot. Il y a des règles qui sont spécifiques au kodesh kadoshim, aux korbanot qui sont le plus kadosh. On va prendre un cas d'une hola. Tout d'abord, tout ce qui est kodesh kadoshim, c'est deux niveaux de kdusha. Il y a kodesh kadoshim et kodeshim kalim. Les saints des saints, et les juste saints simples. Kodesh kadoshim, c'est le plus kadosh. Quand on lit la Mishnah, ceux qui lisent la Mishnah le matin de Ezum, Mekoman, Shel Zevachim, et la première série du hola, Khatat et Hasham, où c'est les kodesh kadoshim. Et dans ce cas-là, il y a marqué toujours Shritatan Batsafon. Il faudra les égorger Batsafon, dans la partie nord du Beth Amigdash. Mais dans Hachem, une prochaine Mishnayot, ce sera Masrat Midot. On aura l'occasion de découvrir exactement comment il était le Beth Amigdash, pour mieux réaliser de quoi on parle. Mais en tout cas, il y a la Hazara. La Hazara, c'était dans le sens de la longueur du Mizrach au Maharav, de l'est à l'ouest. Et dans le sens de la largeur, en fait, c'était le nord à droite et le sud à gauche. On montait sur le Mizbeach par le sud. Il y avait une grande rampe, on montait sur le Mizbeach. Toujours le pasuk qui nous dit Veshacha Toto al Yerech Mizbeach Tsafona Lifnei Hashem. Il faut égorger le korban, ce qui est Kodesh Kodashim. Tsafon, au Tsafon. Ok, donc maintenant, on a une Ola, un Khatat, un Hasham, que il faut les égorger dans le nord. Il faut les égorger en journée. Il faut que ce soit quelqu'un de kasher, un Kohen kasher, qui reçoit le sang et qui aille asperger le sang. Eh bien, d'accord. Donc, si on a fait le korban comme il se doit, bien évidemment, on sera passible d'un korban, on transgressera l'interdit de Meïla. On apprendra à la fin de la Mishnah une petite nuance, jusque quand. Ce sera la fin de la suite de la Mishnah. Pour le moment, on a fait un korban comme il faut, mais bien sûr, bien évidemment, on est passible de l'interdit de Meïla. La Mishnah commence directement en nous parlant d'un korban qu'on a mal fait, mais pas tellement mal. C'est pas qu'on l'a assommé ou qu'on l'a égorgé avec une corde. Non, on l'a fait la shrita au Beth Amikdash, presque comme il fallait, à quelques petites nuances près. Par exemple, on l'a égorgé dans le sud. Erreur, le korban il est invalidé. Mais malgré tout, c'est pas une grande. On n'a pas forcément. On a invalidé le korban, mais sans pour autant. On l'a quand même égorgé. On va expliquer pourquoi ça s'appelle que a posteriori c'est quand même bon. Et il y a quand même, on a fait quelque chose de bien quand même. Et donc on l'a gorgé au sud, ou bien on l'a gorgé dans le nord, mais on a aspergé le sang au sud, ou plutôt on a reçu le sang au sud. Ouais, vous savez, quand 4 avodot, lorsqu'on fait un korban, il faut égorger, récupérer le sang, et aller l'asperger. Pour récupérer le sang, c'est une avoda qu'il faut faire au sud, au nord. Et là, on est parti, on l'a fait au sud. Ou encore, on l'a fait, on a commencé à l'égorger en journée, mais on a laissé passer trop de temps jusqu'à ce que la nuit elle est tombée, on a continué à ramasser, à recevoir le sang la nuit. Or, le korban doit être fait le jour et pas la nuit. Ou inversement, on a égorgé la nuit, on a reçu le sang le jour. Comment c'est possible? Au petit matin, avant même qu'il y ait eu le crépuscule, on avait déjà, l'aube plutôt, on avait déjà égorgé le korban, après on a réalisé qu'on était un petit peu trop tôt, on a patienté quelques minutes, on aurait réceptionné le sang ensuite. Dans toutes ces situations-là, le korban est toujours invalidé. D'accord? Malgré tout, la Mishnah m'enseigne que dans toutes ces situations, si je tire profit de l'animal, de la viande, je prends un bout de viande et je le mange, je transgresserai l'interdit de Meïla. On va prendre d'abord quelque chose qui n'est pas forcément admis, mais qui est plus facile pour expliquer, en disant qu'on transgresse même l'interdit de Meïla, Mide Oraita, le grave interdit de Meïla. Pour quelle raison? Parce que c'est vrai que le korban, tu l'as invalidé. Mais il y a une halakha qu'on avait appris dans ce vachim, qu'a posteriori, un korban mal fait, dans ces situations-là, si on a quand même fait monter la viande sur le misbéach, il faudra la laisser. Si j'ai complètement raté le korban, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, j'ai raté la shrita, et j'ai pris la viande, je l'ai fait monter sur le misbéach, eh bien, les kohanim devront partir chercher cette viande et la refaire descendre, parce qu'elle n'a rien à faire sur le misbéach. Mais il y a une halakha particulière sur un korban qui a été concrètement bien fait dans les actes, mais mal fait dans les intentions, dans les moments, où, peu importe, comme ce qu'on va voir tout de suite, quand on va traduire de nouveau, donc qui a été
qui a une peu, légèrement mal fait, il y a une halakha qui va me dire a posteriori, si le Kohen il n'a pas fait attention, il a fait monter sur le Mizbar, tu le laisseras griller sur le Mizbar. Il s'avère que le korban que l'on a mal fait, comme les cas qu'on a évoqués, c'est quand même un korban qui va pouvoir, qui a quand même une finalité sur le Mizbar. Puisqu'elle a une finalité tant bien que mal sur le Mizbar, celui qui va en tirer profit, il va transgresser l'interdit de Me'ila. Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne, et je traduis tout de suite. Kodesh Kodashim, les korbanotes qui sont super kadosh. Chez Shratan Badarom, il les a égorgés, il a fait la Shrita dans la partie sud du Beth Amikdash. Donc, erreur. Mo'alin Ba'em. Eh bien, il y aura quand même un interdit de Me'ila. Comme ce qu'on a expliqué, j'ai préféré choisir un avis. En réalité, il y a une discussion dans la Gemara, mais c'est plus facile à expliquer, selon cet avis. Donc, Mo'alin Ba'em, on transgresse un interdit de Me'ila, Minatora, parce qu'a posteriori, ce korban-là, si on l'a fait monter sur le Mizbéar, il sera quand même validé a posteriori. C'est-à-dire, validé. On laissera sa viande brûler sur le Beth Amikdash, sur le Mizbéar. Donc, il a encore une finalité sur le Mizbéar. Dans ce cas-là, si je tire profit, je fais le sacrilège. À la différence d'un corban que j'aurais dû redescendre complètement du Beth Amikdash, du Mizbéar, parce qu'il n'a rien à faire là-haut. Alors, dans ce cas-là, il s'avère, comme on a introduit, qu'il n'a plus aucune finalité, il n'a plus rien à faire pour Hachem. Il est grillé, il va falloir l'enterrer, il va falloir le brûler à l'extérieur du Beth Amikdash. Dans ce cas-là, un corban pareil, je ne devrais pas transgresser l'interdit de Mela. Si par exemple on l'a égorgé sauvagement, on lui a arraché le cou, peu importe, il a été totalement validé. Il n'y aura plus d'interdit de Mela parce qu'il n'a plus de finalité en l'honneur d'Hachem. Ok, c'est le principe. Et donc, la Mishnah continue en me donnant toutes sortes d'exemples. Bien évidemment, chaque exemple il vient à prendre une petite nuance qu'on ne va pas trop interpréter. Il y a un long Tosafot qui explique chacun. Je l'ai traduit directement. Shratan Badarom, Vekibel Daman Besafon. S'il aura fait la Shrita dans la partie sud, et puis après, il est parti réceptionner le sang dans la partie nord. Donc il a bien réceptionné le sang comme il fallait, mais il a mal fait la Shrita. Ou inversement, Batsafon Vekibel Daman Badarom. Il a fait la Shrita quand il était dans le nord, mais après, il est parti récupérer dans la partie sud, il est parti récupérer le sang là-bas. Ou encore, Shratan Bayom Vezarag Balayla, Balayla Vezarag Bayom. Il a fait la Shrita lorsqu'il était encore jour, mais il a réceptionné le sang lorsqu'il faisait nuit, la nuit était tombée. Ou inversement, il a fait la Shrita lorsque le jour ne s'était pas encore levé, c'est encore la nuit, et puis quelques minutes après le jour, ça a commencé à se lever, il a réceptionné le sang. Ou bien encore même une autre notion, vous vous rappelez Pigoul, le Korban rebuté, traduisait le rabbin Zadok Khan, c'est-à-dire c'est un Korban qu'on avait mal fait, on a fait avec une mauvaise intention, en sortant des limites avec Sheshratan Khutzizmanan, il a fait la Shrita avec intention de le consommer au-delà des limites de temps permises, et Khutzim Koman, ou au-delà des limites géographiques permises, je devais le consommer qu'à Yerushalayim, je devais le consommer que dans l'enceinte du Beth Amikdash, et on a fait intention avec intention de le manger même à l'extérieur. Dans tous ces cas de figure, sache que Mo'alin Ba'en, on transgresse l'interdit de Meila, parce qu'a posteriori, t'as quand même, le Korban a une éventuelle finalité pour Hachem, au cas où un Kohen se tromperait, le ferait monter sur le Mizbar. Il s'avère donc que c'est un Korban qui appartient encore à Hachem. Et dans ce cas-là, si tu tires profit, tu transgresses l'interdit de Meila. Fin du premier sujet. Deuxième sujet de la Mishnah, c'est encore le même principe, mais avec une petite nuance. Pour le moment, on a parlé de quel type de Korbanot. Là, dans la suite de la Mishnah, on va s'intéresser à savoir jusqu'à quelle limite de temps, je continue à transgresser. C'est-à-dire, Klal Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua a dit une généralité. Kol Sha'ayala She'at Heter la Kohanim. Tout Korban qui est devenu à un moment permis pour les Kohanim, En Mo'alin Bo. On ne transgressera plus l'interdit de Meila. C'est-à-dire, il y avait un Korban Khatat. Que le Korban Khatat, s'il était bien fait dans les règles de l'art, eh bien, après, les Kohanim vont manger sa chair, sa viande, à quelques petites exceptions près, avec certaines graisses qui vont monter sur le Mizbéar, mais tout le reste de la viande, il sera permis pour les Kohanim. Dans ce cas-là, si moi, qui suis Israël, je vais me mettre à manger un bout de cette viande, je ne transgresserai plus l'interdit de Meïla. Pour quelle raison? À partir du moment où le grave interdit de ce qui appartient à Hachem a été levé, parce qu'il y a des êtres humains que maintenant, ils ont le droit de le consommer. Donc l'interdit a été partiellement levé. Dans ce cas-là, c'est un sacrilège moins grave. La Meïla, elle est moins violente, elle est moins... Dans ce cas-là, il n'y a plus d'interdit de Meïla. D'accord? Par contre, Veshelo Ayala She'at Heter Lakonim, par contre un Korban qui n'a jamais été permis pour les Kohanim, eh bien, Mo'alin Bo, on transgresse ça l'interdit de Meïla. Et il explique. Ezoï Sha'ayala She'at Heter Lakonim. Quel est le Korban qui a eu un moment où ça a été permis pour les Kohanim?
Par exemple, chez l'Anna, qu'il a passé la nuit, c'est-à-dire, Korban Khatat en l'occurrence, on l'a fait aujourd'hui, dans la journée, c'était mercredi. Les Kohanim peuvent le manger toute la nuit jusqu'au petit matin, jeudi. Au petit matin, jeudi. Jeudi matin, s'il reste, il faudra brûler ce qui reste. Jeudi, 9h du matin, un Israël arrive et se fait un petit steak du Khatat du reste de la veille. Il s'avère que ce Korban-là, il a eu un moment où il a été permis pour les Kohanim. Même si maintenant les Kohanim n'ont plus le droit de le manger, malgré tout on ne transgresse plus l'interdit de Mehila parce que l'interdit violent du sacrilège a été partiellement, a été levé à un moment. Il a été levé dans la mesure où c'était permis pour les Kohanim. Si, une fois que c'était permis pour les Kohanim, ça leur redevient interdit, mais pour une autre raison, parce que ça a passé la nuit et que la Torah a insisté qu'on le mange jusqu'au petit matin uniquement, et pas plus, c'est-à-dire durant la nuit. Alors dans ce cas-là, l'interdit a été levé, il n'y aura plus d'interdit de Mehila. Ou encore, Veshenitmea, qu'il a été impurifié. Ouais, il y avait de la viande qui était là. Et puis, elle était permise pour les Kohanim, et elle a été impurifiée en plein milieu. Mais chez Yatsa, ou encore, elle est sortie de ses limites permises. Elle devait rester dans l'enceinte du Beth Amikdash, elle est sortie à l'extérieur. Donc les Kohanim n'auront plus le droit de le manger. Mais malgré tout, puisqu'il a un moment, cette viande a été permise aux Kohanim, eh bien, il n'y aura pas d'interdit de la consommer. Non, il y aura d'interdit de la consommer. Il n'y aura plus d'interdit de Meïla si on la consomme. Mais vous avez bien compris, le principe du sacrilège. C'est un affront à Hachem. Ce qui appartient à lui, tu le prends, ça va pas la tête. Imagine, un objet qui appartient au roi, ça appartient qu'au roi. C'est celui qui touche, on lui coupe le doigt, ça va pas la tête. C'est très violent. Donc de ce fait, ce qui est Béhémet prédestiné au roi, uniquement au roi, et c'est très personnel, alors là, celui qui touche, on lui coupe la tête, on lui coupe les bras, ça dépend du cas, ou bien on lui demande d'apporter un corban de Meïla en l'occurrence. Mais, si toutefois, l'interdit n'est plus, c'est au roi, et à ses valets, et à ses protégés. Bon, alors d'accord, c'est un peu moins violent. D'accord, il y a quand même un interdit, mais plus l'interdit de Meïla. Par contre, Ezoï Sheloa Yalashat Heter la Kohanim. Quel est le korban qui n'a pas eu de permission pour les Kohanim? C'est-à-dire, un korban qu'on n'a pas encore fini de le faire, par exemple, Shinishrata Chutzlizmana, un korban qu'on a fait avec intention de le consommer au-delà des limites de temps permises. Il s'avère que l'interdit de consommation n'a jamais été levé. Donc finalement, c'est un peu rigolo, un peu original comme halakha. C'est un korban qui est beaucoup moins. Apparemment beaucoup moins important que le vrai khatat. Imaginez, un korban khatat. On l'a fait dans les règles de l'art, et puis, donc maintenant il a été permis pour les Kohanim, mais un Israël n'a pas le droit de le manger. Il y a un korban khatat, qu'on a aussi égorgé, et tout ça, mais qu'on a mal fait. On a fait lorsqu'on l'a égorgé, on avait intention de le manger au-delà des limites de temps permises, on avait l'intention de le manger en 2 jours. Donc on a invalidé le korban, on n'a plus le droit de le consommer. Regardez, le korban, il a été raté. Il était mal fait. Si on devait comparer les deux, j'aurais dit de prime abord que le korban qu'on a fait avec la mauvaise intention, il est beaucoup moins kadosh que le précédent. Eh bien non, la Mishnah enseigne que non. Il y a quand même une nuance. Celui qui était super bien kadosh et que tu as bien fait, ce korban, il a au moins l'avantage d'être devenu permis pour les hommes. Donc, le haut niveau qui appartient au roi, il a été rabaissé. Alors que l'autre, c'est vrai que plus personne ne pourra le consommer, on ne devra même pas le faire monter sur le misbéar. Mais puisqu'il a encore une finalité pour le misbéar, tant bien que mal, il s'avère que pour le moment, la propriété d'Hachem exclusive, elle est encore là. Et dans ce cas-là, si tu touches, eh ben, tu transgresses l'interdit de Meïla. D'accord? Donc, quel est le korban qui n'a eu aucune permission pour le Kohen, et donc qu'on transgressera l'interdit de Meïla, qui a été. On a fait la shrita au-delà des limites de temps permises, ou encore chutzlim koma, au-delà des limites géographiques permises, avec un enfant de manger à l'extérieur. Donc on a invalidé le korban, mais malgré tout, comme ce qu'on a expliqué. Veshikiblu psulin, vezarku et dama, ou encore un korban que des personnes invalides, qui n'avaient pas le droit de recevoir le sang, ou de l'asperger, tel que moi en Israël, ou encore un Kohen qui avait un défaut. Et ils ont reçu le sang et sont partis l'asperger sur le misbéar. A posteriori, le korban, il est quand même permis, et il a quand même une finalité pour Hachem. Entre parenthèses, je rallonge pas, il y a un long partenariat, mais je ne veux pas trop alourdir, c'est déjà assez long comme cours. Il y a quand même un autre truc, il y a quand même un moyen de sauver le korban, c'est qu'un bon Kohen vienne et récupère le reste du sang. Donc le korban, il n'a pas été forcément complètement exclu. Il a encore une finalité peut-être pour Hachem, si toutefois on peut le sauver. De ce fait, celui qui va tirer profit de cette viande, il va transgresser l'interdit de Meïla, parce qu'il n'a jamais été permis pour les Kohanim, comme tout ce qu'on a expliqué. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Sarakol, tout cela.